There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is another one. Et salut à tous, c'est Andarixel. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Direwolf. Donc aujourd'hui épisode assez soft, parce que en fait j'avais déjà tout fait pour essayer de record avant. Sauf que le souci c'est que ça n'a pas enregistré le son de mon record, donc j'étais un peu emmerdé. Donc aujourd'hui ce que j'ai fait, parce que ce n'est plus à faire, je vais vous le montrer tout de suite après que je vous explique ça. Donc ici c'est un Advanced Monitor. Donc les Advanced Monitor, c'est Advanced Monitor, donc c'est ceci. C'est 8 d'or avec un de vitre pour en avoir 4. Et derrière j'ai mis un Advanced Computer qui va gérer justement l'Advanced Monitor. Donc ça c'est pas compliqué non plus. Et en gros ici je suis juste en train de taper un programme. Attendez, hop, non, edit programme, voilà, c'est ça. Donc ici je suis en train de l'éditer. C'est justement pour faire un logiciel qui va directement vers notre big réacteur. Comme ça je pourrais voir s'il reste encore assez de yellowite ou de plutonium, parce que actuellement je dois aller voir assez souvent. Ça commence à m'ennuyer de toujours faire l'aller-retour. Donc je suis juste en train d'éditer le logiciel pour vous pouvez voir c'est connecté avec un wired modem directement dessus. Pour l'instant tout ce que je sais faire pour voir sa production c'est ça. D'ici peu de temps ce que je vais faire c'est améliorer le big reactor, parce que là actuellement il n'y a pas de liquide de refroidissement. Et ce que je vais faire c'est mettre de l'enderium, attendez, donc enderium, voilà, qui se craft comme ceci. Donc il faut des enderium nuggets ou autre chose. Donc il faut du resonant ender, du molten shiny, du molten tin et du molten silver. Le molten ender il se fait comme ceci, donc c'est en faisant cuire des ender perles. C'est un truc pas trop compliqué à faire, c'est juste pour l'instant je n'ai juste pas assez d'ender perles, je n'ai pas encore assez farmé. J'ai terminé le drive ici, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. J'ai mis que des disquettes d'un cas, mais attendez, ender perles, non, j'ai que des têtes d'enderman. Donc ça je vais essayer d'avoir une épée looting. Et maintenant on va passer au vif du sujet, qui est ceci. Donc c'est un laser drill, ce qui me pompe énormément d'énergie. C'est pour ça que justement il me faut une nouvelle source d'énergie. Attendez, je récolte le minerai à côté aussi. Donc en gros le laser drill il est relié à la bedrock, donc vous pouvez le voir. Je passe pas là dedans parce que je peux en mourir tout simplement. J'ai éclairé les grottes autour, mais ça c'est pas très important. J'ai récupéré aussi pas mal de minerais. Actuellement j'en ai qu'un seul, mais bientôt il va en avoir un deuxième. J'ai prévu l'espace ici pour le deuxième. Donc en gros, ce que ça fait, il faut 4 préchargeurs. Comme vous pouvez voir au niveau de l'énergie, c'est assez en PLS. Ça consomme énormément d'énergie. Et en gros, les préchargeurs, ils envoient ce laser dans le laser drill, qui renvoie un laser jusqu'à la bedrock et ça mine tout seul. Donc si on reste un peu ici, on va voilà, vous avez vu ici ça a clignoté, il y a un minerai qui est passé. J'ai pas vu c'était un minerai de quoi. Et en gros tout est envoyé dans le plaid. Donc ici vous allez pas le voir forcément, mais tout est envoyé ici dans le plaid. Voilà, gold ore. Il serait temps que je nettoie aussi mon plaid parce qu'il y a beaucoup de caca. J'ai des... Voilà, justement, ça permettra de paramétrer. Donc vous voyez, j'ai un peu de tout. J'ai récupéré des émeraudes, je récupère des diamants de temps en temps. Ici, il n'y en a pas encore énormément, mais ça commence à pas mal fournir. Et je vais montrer par exemple, ici avec mon iron. Donc vous voyez ici, j'ai des blocs d'iron.
Et en le laissant ici, hop, les blocs d'iron disparaissent. D'ailleurs, l'iron, je commence à être bien. Donc, les blocs d'iron ont disparu. C'est tout simplement parce que ici derrière, il y a un traitement automatique. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça a été traité automatiquement. Voilà, tout a été pulvérisé et tout ça. Donc, ça duplique les minerais ici. Et en gros, tout vient d'ici. Hop, je vais vous montrer ça plus simplement. Parce que là, comme ça, c'est un peu le bordel. Donc, apply des reliés à ces ME Export Bus. Donc, les ME Export Bus qui se craftent. Hop. ME Export Bus. Donc, c'est comme ceci. Donc, il faut de l'iron, un piston et ce petit bazar là. Donc, c'est pas un truc extrêmement compliqué à crafter. Donc, en gros, le ME Export Bus il est paramétré. Donc, ici j'en ai deux. Je descends. Donc, j'en ai un en dessous du coffre qui dit pour ces minerais là, tu l'envoies dans ce ME Export Bus. J'ai fait aussi des capacity cards. Donc, une basic card. Donc, c'est pas un truc extrêmement compliqué aussi. Et des acceleration cards. C'est pour ça que ça a été hyper vite quand. J'ai. Allez, quand j'ai mis dans le plaid. Donc en gros, ça vient ici. Ici, il est paramétré pour la yellowite, le silver, le lead et le shiny. Parce que ça produit du shiny aussi. C'est envoyé dans le diamond chest. Diamond chest qui va répartir avec les câbles d'Ender.io, soit dans le pulverizer, ici, enfin dans ce pulverizer-ci, soit dans ce pulverizer-ci. Donc c'est pas un truc extrêmement compliqué. Ils sont fournis en énergie. Et après, quand ça c'est bon, tout repart par ici et s'en va jusque là-bas tout au fond de la pièce pour allez, pour envoyer via le Dimensional Transceiver. Donc le Dimensional Transceiver ça coûte assez cher. Attendez. Donc il faut un Ender Resonant, des Ender Crystal et tout ça. Donc ça il faut le faire avec le Slice and Spice. D'ailleurs je vais enlever les outils, je sais plus où je les ai mis. Il faudra faire un traitement particulier pour l'or. Parce que l'or, en gros, quand on pulvérise l'or, attendez que je trouve dans le pulvérizer. Smelting, lacérateur, non, pulvérizer. Il y a 5% de chance qu'il fasse de la cinnabar. Mais le seul truc avec la cinnabar, c'est que c'est ultra chiant. Vu que la cinnabar, bah, ça sert à rien. Si on regarde ici, hop, cinnabar, voilà. Voilà l'utilité de la. Non, c'est pas l'utilité ça. Voilà, la cinnabar, ça permet de faire un petit peu plus d'uranium, un petit peu plus d'or. Donc voilà quoi, c'est pas le truc qui m'intéresse spécialement le plus. Ça permet juste de produire, enfin de tripler les minerais. Mais bon, personnellement, moi ça m'intéresse pas trop. Après, de toute façon, avoir trop de minerais, ça ne sert à rien. Donc pour l'instant, tout l'or que j'ai, ben, je le stocke ici. Parce que j'ai pas encore fait le système qui permet justement de faire ça. Donc ici on avait eu de la période. Péridote plutôt. Donc ici c'est. D'ailleurs je n'ai plus de torche. Tant pis, c'est pas grave. Donc en gros ici c'est la même chose. Ça arrive ici. Ah oui d'accord, c'est parce que je n'en avais plus assez. Attendez. Ouais, je le ferai plus tard. Donc, en gros, normalement ici, il suffit juste de placer. Je l'ai paramétré ici pour pas mal de trucs. La redstone, le Certus Quartz, le quartz du Nether, le coal. Et tout ça est envoyé directement dans le 5000. Bon, forcément, j'ai pas encore mis allez, de flint. J'ai pas encore pensé à en faire. Ah voilà, ici il vient de faire du charbon. Il envoie le charbon et le pulvérisé de colle ici, encore une fois, dans un dimensional transceiver. J'ai fait des octadis capacitors parce que juste c'est ultra long ces machines-là. Donc pour les améliorer, un octadis capacitor dans chacun, ça va faire beaucoup plus rapidement. Hop,
Donc pour l'instant je vais pas vous montrer ça, je vais jeter, hop hop, c'est des livres que j'ai en trop, donc je nettoierai ça un petit peu plus tard. Aussi j'ai fait la même chose pour ici, donc ici il reçoit tout ce qui est sulfure, salt pepper, émeraude, diamant et lapis-lazuli. Donc ça c'est envoyé directement dans les pulvérisers, sauf un, donc ici, aïe. D'accord. J'ai été dans le rock crusher, mais le rock crusher, ça nous tue. Bon, c'est bon à savoir. Bon. Petit fail, deux fois d'affilée, tout va bien. Hop. Donc, on va attendre un peu avant d'y retourner, merci. Ça, c'est un rock crusher. Je récupère un peu l'XP quand même parce que c'est précieux l'XP. Rock Rusher, donc ici je peux le paramétrer parce que je l'ai pas encore fait. C'est ça que je voulais aller vous montrer. Donc ici j'ai pas encore mis les items filter. Je vais le faire avec vous d'ailleurs. Item filter, attendez. Les items filter, ouais, c'est facile. On va aller le faire tout de suite. On va en fabriquer 2-3. Hop. Tac. Voilà, comme ça, on se fait deux petits coffres. Boum, boum. Bien sûr, j'en avais encore tout plein, mais c'est pas grave, j'en aurais recrafté. Hop. On refait ça deux fois. Tac. Une, deux. Boum. Ensuite, papier. Mais je n'ai pas de papier. Sugarcane. Ah oui, ça, j'ai un peu de sugarcane. Hop. Il m'en faut un petit peu plus. Je vais en garder pour replanter, évidemment. Boum. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Boum. Basic filter. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, il me faut un truc très, 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 très dangereux. Donc, j'en ai vu que j'en avais. Voilà. Donc, la Firestone, c'est assez dangereux à manipuler. Donc, on va mettre le filtre ici. Si j'y arrive, rentre-moi là-dedans, s'il te plaît. Et alors ici? Ah, voilà. Donc, on va mettre un filtre ici en whitelist. Et bien sûr, il m'en fallait un troisième à mettre en blacklist. Donc, lui, on le met en blacklist et il m'en faut un troisième. Merci. Vous savez quoi, cette machine elle m'énerve. Je vais faire un truc pour la calmer. Hop. Et surtout pour comprendre que je dois plus aller là. Hop. Voilà. Là, comme ça je suis sûr de plus avoir d'accident malencontreux. J'ai récupéré mon stuff aussi. Normalement, j'espère qu'il devrait pas voler. Voilà, merci. Tac, 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 tac. Je pense que j'ai tout mon stuff. J'ai enlevé tous les dead points. Hop, hop. On enlève les dead points. Remove. Voilà, comme ça, on est tranquille. Donc, il me fallait un troisième truc de filtre. Donc, Sugar Cane, ouais, tant pis, j'en aurais plus qu'un. Hop, voilà. Ensuite, il me fallait entonnoir. C'est vrai que j'ai déjà des redwood planks, tac, pour faire un petit coffre. Ensuite, on refait un entonnoir, comme ceci, boum. Et ensuite, il me manque un de papier, voilà. Ensuite, il faudra aller tout paramétrer. Vous allez voir, c'est la partie la plus amusante. On va d'ailleurs le faire tout doucement. Hop, on va s'envoler de préférence. Voilà, c'est pour ça que j'espère que j'ai rien qui crame ici autour.
Ah, vous entendez, ça brûle. Donc, hop. Donc ici, on le met en blacklist. Il peut pas aller là-dedans. Ni là-dedans. Par contre, là-dedans, il pourra y aller. Et toi, ici, tu pourras y aller aussi. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, le recrocheur qui va commencer. Ça fait un bruit de sourd et après, tout est envoyé ici. Donc, tranquille. Et maintenant, on va aller éteindre un petit peu les incendies que ça a provoqués. Oh non, 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 attendez. Ça me plaît pas d'entendre ce bruit à cet endroit-ci. Je sais pas où ça brûle, mais ça brûle. Il y a un endroit dans ma base que ça brûle, je sais pas où. En dessous? Attendez que je regarde. Ça a pas l'air d'être en dessous non plus. Pièce d'à côté. Non. Et ça a l'air de bien brûler, c'est ça le truc, hein. Ah oui, je sais, attendez. Peut-être que c'est juste là au-dessus. Bien sûr. Non. Bon, tant pis, ça brûle, mais j'espère que ça va juste pas faire trop de dégâts. Ah, ici, il vient de me pulvériser quelque chose. Je pense que c'était des diams. Ouais, ça devait être ça. Et en gros, le Rockcrusher, il me fait des raw Firestone. Donc, vous en avez vu. Je vais pas de nouveau le reprendre parce que c'est assez dangereux. C'est des sales bébêtes, ces trucs-là, les raw Firestone. Donc, je préfère pas trop le tenter. Normalement, je devrais avoir un peu de Yellowrite aussi. La Yellowrite, ce que je vais faire, c'est des exportobus qui vont descendre jusqu'en bas. Donc, ici, j'ai un coffre avec la Yellowrite ici en haut. Juste là. Donc, vous voyez, j'ai encore pas mal de stock. Mais en gros, tout va être envoyé. Depuis le play d'ici, mais il y a. Ah oui, il y a la source au-dessus, c'est vrai. Il y a une source de pétrole juste là. Voilà, juste ici, il y a une grosse source de pétrole. Donc je pense que je vais la récupérer. Je vais me faire. Comment ça s'appelle encore? C'est dans. Buildcraft. Attendez. Buildcraft. C'est les pompes, il me semble. Attendez. Hein. Builder, filter, query. La pompe, voilà. Donc la pompe qui se crafte comme ceci, c'est pas. Ouais, c'est pas la mort. Juste ça, non, même pas. C'est pas du tout la mort. Donc je vais vraiment tout pomper ici. Je sais pas où je vais le ramener. Je me demande s'il y a des. Non, il n'y a pas le plugin pour les liquides sur Applied. Donc je vais tout pomper parce que c'est assez chiant. Et avec normalement le pétrole, il me semble que c'est. Ouais, c'est le pétrole. Donc je voudrais ton utilisation. On peut en faire des seaux. Les seaux qui permettent de faire. Voilà, donc c'est sûrement ça. Ouais, en fait, non, ça sert à rien. Je vais juste vider cet endroit parce qu'il commence à m'énerver. Et en fait, ça sert juste à rien. Le pét... Ah non, c'est de l'oil. Ah non, c'est de l'huile, pas du pétrole. Attendez, donc l'oil. Ah oui. Là, c'est déjà autre chose. On peut en faire du gazoil qui permet de. Ah, d'accord, ça permet d'augmenter la pression. La madrone, ça fait. Ouais. De l'huile contre des émeraudes. Ouais. Donc là, je vois pas à quoi ça peut me servir. Fluide transposeur, à chaque fois, c'est un truc de fluide transposeur. Ouais, non, je vois pas trop à quoi ça peut me servir non plus, donc je vais le vider, je vais voir ce que j'en fais,
Et ici, ça fait déjà un beau petit épisode, donc je propose qu'on se retrouve la prochaine fois. Je vous dis salut à tous. Et peut-être que normalement, donc je vais essayer de sortir cette vidéo mardi. Normalement, demain, je vais faire un live justement sur Dire Wolf, parce que j'ai vraiment pris goût au live. Donc, on se retrouve peut-être demain, ce n'est pas encore sûr, pour un petit live Dire Wolf. Et je vous dis salut à tous.